Salut tout le monde, comment allez-vous? Comme si vous allez me répondre. Enfin, et voilà, donc c'est Mister Teigneux, on se retrouve donc pour l'épisode 11 comme promis. Et cette fois-ci, nous avons dans le coffre, eh bien tout simplement des sacs de ciment. C'est merveilleux. Et notre pilote est en train de faire du hula hoop avec le pneu. Normal. Il a lâché la calache. Bon, allez, on est parti, troisième course, le knockout, mon hantise. Là où je vais mourir dans d'atroces souffrances en arrivant dernier au premier tour. Bon, donc on va essayer d'être un petit peu plus optimiste. Et donc, on va se dire que non, je vais tout casser, futur, un truc. Se demander ce qui leur arrive, on va m'envoyer une lettre de recommandation, ou enfin, plutôt une lettre de plainte, en me disant que je martyrise l'IA du jeu et qu'il faudrait que j'arrête. Voilà. C'est parti, Mireille. 3, 2, 1, go. Enlève pas ta petite culotte. J'arrive. Ah. Lisez le mec qui est devant moi. Alcoolique. Et voilà, bah alcoolique, hop. Il passe derrière, fille. Allez, zone de feu. Et voilà, alcoolique, il vole. Alors, petite chose à souligner, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand on détruit des éléments du décor, eh bien, nous avons de la thune en plus. Vous voyez, éléments de destruction, bonus de destruction, 30. BD. Ça c'est quand on fait le malin. Hein. On peut le dire, j'ai fait l'imbécile. Un peu trop tôt. Oh yeah. Plus de munitions, ça c'est la merde. Là j'aurais pu prendre une place là et shit. C'est pas grave, ça va d'aller. Wow. Il a failli l'avoir dans le popotin. Bam. Ah et là il a bien volé là. Là il a vu, là, il envoie comme il faut, hein, fait. C'est un dieu. Viens lui, t'attaques, merde putain. Ouais, ouais, et bam, dégage. Et voilà. Donc on répare un petit coup. Petit raccourci ici, il est où, il est où, il est là. Ouha. Lâche-moi. Qui a cru, hein? Ah ouais, il y croyait, il a raison. Ta tarlouse. Ah voilà, bêtise. Best lap. Pfff.
Oh, j'ai escapé belle, fait. Oh yeah! Ça sent bon ça les gars! Ça sent bon! En même temps que je le dis, je me prends une mine quoi pour la forme, hein, mais bon. Ça va, ça le fait pour le moment, si ça reste comme ça, c'est beautiful. C'est beautiful, very nice. Je dirais même plus beautiful, very nice, tout plein des mètres carrés. Ouh là là, ça s'appuie, je vois que je commence à avoir des... Des petites... Ouh là là, voilà, et copain, copain, t'es mon ami. Hein, t'es mon ami. T'es mon ami. Allez quoi, t'es mon ami, allez, on l'avait dit que t'étais mon ami normalement. Oh merde, je me trompe, putain. Putain, j'ai le Tarlous derrière qui vient me gonfler. Putain. Deuxième, bon ça va, c'est que le cinquième tour, faut pas que je m'inquiète, c'est cool. Là ici, je vais le péter pour la forme. Et voilà! Mais ouais, ça, qu'est-ce que tu croyais? Petit lesbien, va. Ça le fait, ça? Voilà, vous voyez, je tiens tout en tête et je parie que le dernier tour, je me chie dessus, comme d'hab. Et voilà, ça commence. Et voilà, putain, je le savais quoi. Je le savais, allez, mais depuis quand ils arrivent à te faire des putains de coups comme ça au shotgun? Alors, il te faut voler comme un fétu de paille, sérieusement quoi. Putain. Ah bah ouais, je suis troisième, on arrive à la ligne d'arrivée, donc boum quoi. Normal, hein. Putain. Et voilà, c'est toujours pareil, vous voyez, c'est toujours pareil. Y a rien à faire quoi. Y a rien à faire. Ah là 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 là, quand je vous le dis que je suis maudit quoi, il y a une mauvaise étoile là au-dessus de ma tête, c'est un truc de dingue, en matière de jeux vidéo, je suis nul. Ouin ouin. Allez, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, hein. Ça demande plus de concentration. Donc, c'est une manière comme une autre de prendre de l'expérience IRL pour le virtuel. Enfin, bref, je m'emballe. 3, 2, 1, go! On est parti. Faire la même. Hein. Cette fois-ci sans prendre l'autre espèce de... Comment... Mongolito... qui vient me péter les couilles pendant que... Je suis premier.
C'est parti, zone de feu. Oh yeah! Ça sent bon ça les frères! Oh que oui, ça sent bon ça! Oh que oui! Oh là là! Minecraft Zephyr me fait dire sa réplique, c'est perturbant. Il faudrait que je commence à réduire le nombre de fois où je vais me regarder ces inventions sur Minecraft. Parce que ça détache sur moi là, c'est incroyable. Ah bon, faut dire je kiffe, j'aime bien sa manière de présenter ses vidéos. Elle les couche, je crois que c'est la mienne en plus. Ah bah ouais, c'est la mienne. Et je suis deuxième. What the fuck? What the fuck? Ah ouais, je me disais aussi. Son gonflant a toujours... Oh putain, encore deuxième. Troisième. Oh bah ouais, de mieux en mieux. Deuxième. Putain, c'est trop fort quoi. Je double personne et je prends des places, j'en perds. C'est bizarre. Ouais quoi, 4 sur 7 tours. Putain, il est tout près lui. Il se prend une mine. Non, je prends ma mine. Ah là 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 là, ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais. Oh my the fuck, putain de merde. Motherfucker quoi. J'ai cru que j'allais encore l'avoir dans le popotin quoi. Dans le cululu, dans le cululu, dans le cul. Putain, il allait me saouler, lui. Putain, mais... Eh, vous avez vu, quand même. Au fur et à mesure que je prends des tours, que je reste premier, les mecs deviennent, mais... de plus en plus agressifs. C'est un truc de malade, quoi. Sérieux. Eh, vous avez vu, j'étais tranquille pendant les deux premiers tours, là. Tu sais, peinard et tout, là, tranquille. Promenade de santé, quoi. Petite promenade pour les vieux.
Et comment là on arrive au cinquième tour et vous avez vu comment ils sont agressifs? C'est un truc de dingue quoi. La difficulté augmente au fur et à mesure que les tours passent, j'ai l'impression en fait. Là, c'est assez perturbant. Et il me lâche pas, hein, vous avez vu comment il me colle, sérieux quoi. Alors, je pense que... Ah non, je vais pas parler trop vite, on va laisser faire les choses. Non, c'est quoi ça? Putain, mais pourquoi je suis parti en couille ainsi? Je la sens bien là, je la sens bien. Je vais essayer de mettre de la distance entre lui et moi, même si j'ai l'impression en fait que même s'ils ont la même bagnole que moi, ils vont plus vite que moi. Ça, je comprendrai jamais pourquoi, mais bon. Alors, je lui mets mes pneus pour des raisons personnelles. Mon avis inconsciemment ça doit peut-être être pas, ça doit pas être assez dur, ce qui fait que j'ai besoin de foutre du challenge. Heureusement c'est inconscient. Je m'en rends pas réellement compte. Oh putain. Oh putain, il est là le con. Putain, vous avez vu comment il se que... C'est pas possible ça, sérieusement. Non, non, je vais t'avoir Tarlouse, je vais t'avoir, ouais, je vais t'avoir mon vieux. Et voilà, créé la Tarlouse. Ah, retourne chez ta mère, retourne chez ta mère, ton père, et va voir tes ancêtres, fais tout ce que tu veux, rien à branler, ouais. Allez, putain, je t'ai fait une course terrible, hein, là. Là, je pense que ça s'est ressenti, j'étais concentré et tout, c'est la fête du slibar. C'est le nom de Dieu que ça se tout bon, vieux. Ah, ah. Putain que c'est bon, voilà, on a une bagnole en plus, piste, jante, ok, on va aller voir qu'est-ce qu'on a débloqué comme caisse. Ah putain que c'est bon quoi, mec c'est bon ça, regardez. Voilà, tu as été invité par ton sponsor à participer à une compétition Last Man Standing. Ben voilà, donc on va faire notre première compétition de Last Man Standing avec notre sponsor. Donc on a des armes en plus, on va tout de suite les prendre parce que ça, ça rock aussi. Bon, je suis plus fan des roquettes évidemment, mais bon, je dois dire que... comment ça, c'est pas mal non plus. Bon, est-ce que les pneus... Est-ce que c'est vrai qu'au niveau des pneus, ça serait bien que je puisse débloquer des pneus level 2 parce que ces pneus-là sont... Ah, oh, ça y space. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a cette bagnole-ci? Alors, ne serait-ce pas une... comment ça s'appelle ça encore, cette bagnole-là? Enfin, c'est... Ouais, putain, je ne sais plus. C'est pas grave. Ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal, mais un peu trop européenne, encore une fois. Hein. Moi, je suis pas fan des bagnoles européennes, hein, comparé à la mienne, déjà. Alors, elle a quoi? Le blindage en moins, elle a de l'adhérence en moins, de l'accélération, et c'est vrai que faudrait peut-être que je l'améliore. Enfin, non. On va garder la nôtre, hein, voilà. On va garder la nôtre, et on va faire... on va faire notre événement sponsor. On fait l'événement sponsor, comment ça se passe? Bon, allez, on va essayer, c'est juste pour le fun. Comment... Comment ça se passe, Saint-Jude? Je suis un oiseau nocturne. Voici que, au moment où j'ai fait cette vidéo, il était 2h30 du matin. Je joue la nuit, moi. Je joue que la nuit, d'ailleurs. Je suis un vampire. Oh zut, je devais pas le dire. Allez, Last Man Standing. Je le répète, dernier survivant.
Allez. On a l'espèce de Fiat 500 pourri là. J'aime pas les Fiat. En fait, j'aime pas la marque italienne. Allez, mais nique ta maman, hein. Allez, boum, fait. Je suis rouge. Non, 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 non. Allez, boum. 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 Et boum, crève ta rouge. Allez, qu'est-ce que tu fais? Il faut que je me répare un petit peu. 50%, ça pue du sgeg. Bouclier. Merde. Mais qu'est-ce que tu fais, grosse... Oh, je vais crever, 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 je vais crever. Allez, allez, crève. Nique sa maman, 11%. Putain, il faut vraiment que je me heal, là. Ouais, c'est bon, ça. Ça, c'est bon aussi, ça. Ça, c'est bon, vieux. T'as vu ça, gamin? T'as vu ça, vieux? Je suis ton papa, moi. Je suis ton papa, mon vieux. Eh ouais. What the fuck? Putain, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? What the fuck? Où c'est que tu es? Où c'est que tu es, petite merde? Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, boum, boum. Et voilà, gamin. Et ouais, fieux. C'était un peu trop facile à mon goût, c'est pas grave. C'est pas grave, je suis quand même content. Donc comme ça, ben, une petite partie relativement courte, ainsi, c'est juste pour dire, on va dire, c'est un épilogue ou je ne sais pas, bien joué, ton équipe a gagné, tu vois, oui, voilà, plein d'hier. J'ai remporté plein d'hier. Alors c'est ça la vie, fille. C'est ça la vie. Donc, on a juste remporté de la thune pour l'événement sponsor, et là, maintenant, nous allons faire le last man standing, mais de notre série de courses. Voilà, ben, c'est bien, en fait, petit last man standing sponsor qui a été relativement rapide. J'espère que je vais être tout aussi performant sur ce last man standing ici. Allez, hein, concentré, fille, concentré. Hein. Avec en plus le machine gun en nouvelles armes. J'espère que ça va aller... Quoique normalement je ne sais même pas si comment on a le droit de changer d'arme pendant le jeu. Ah bah oui, c'est parfait. Ok, nickel. Oh la suite, moi bonne chance. Non, même ça sert à rien, parce que au moment où vous regarderez cette vidéo, tout sera terminé, mais bon. Voilà quoi, je m'encourage tout seul, on va dire. Hein. Alors, ici je ne fais partie d'aucune équipe, je dois juste péter du cucu. Hein. Hop là, ça commence déjà mal. Allez copain, où est-ce qu'il est copain, copain? Allez. Oh le petit salaud. Ouais. Oh ça c'est facile. Je me casse. Je vais me laisser avec... Putain, la sulfateuse, mais couille, elle fait pas de dégâts, c'est un truc de dingue. Dans la machine gun. La merde. La merde. Ça, ça fait un peu plus de dégâts, ça. Voilà. Là, on sent déjà mieux. Allez, ce qu'il est. À 85%, je vais peut-être prendre de la vie. Voilà. Allez, t'es où J'ai besoin d'une victime. Une victime est demandée devant mes canons. Une victime. Allez, crève! Je vais te crever! Oui, crève! Allez, deux, je fais un. Allez, un doublé, un doublé! Putain, non, je fais pas de doublé, je me casse à. En vitesse VV prime, fieu! VV prime, j'ai besoin de vie! Hop, ça c'est bon, c'est magnifique! Oula, une grosse! Allez, allez! Hop, allez, viens, copain, viens! Viens ici, viens voir, papa! Come to pop! Un petit peu de munitions! Allez, une poule que j'envoie dans les chiottes, pieds. Allez, ce que c'est que vous êtes. Oh, 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 c'était ma victime qui vient de me prendre. Allez, nique ta mère, vieux. 98%. Voilà, je viens de prendre le lead. Je décroche. Ça pue. Non! Putain, l'enfoiré, quoi!
putain de saloperie, quoi. Il m'a taxé l'éclat à molette sous le nez, là. Putain, j'ai plus de boost. Là, ça, c'est la merde. Là, c'est franchement la merde. Ici, voilà, hop. On se répare un petit peu. Il m'en faut encore une. Des mines, hop, dans son cul. Putain, saloperie. Fait. Voilà, fait, viens maintenant, viens. Allez, viens. Allez, tu faisais le malin, hein. Hein, tu faisais le malin. Et là, tu fais encore le malin, maintenant. Hein. Et... Et la gamin. Mais ouais, mais voilà ta maman, fieux. Eh ouais. C'est ça, fieux. Ah, tu te prends pour un super-héros, là. Pas quand je suis là, fieux. Allez, I2-1, fieux Minga, je vous nique tous. Tous autant que vous êtes. Je vais vous faire votre cul. Regarde, regarde ça. Regarde ça. Oh, putain, plus de munitions. What the fuck? Ah, c'est la merde. C'est un gîte, c'est la merde. Nom de Dieu, on te voit crever, on te voit crever. Help me. Putain. Et il reste lui et moi là. Lui il va me chercher, il me faut des mumu. Mumu, clic clic. Ah ben voilà, je suis à fond de mumu. Viens ici maintenant. Allez, viens gamin. Gamin, allez viens. On va pas rester tout seul dans cette arène. Allez, viens. Allez, viens, fieux. Viens, fieux, tu vas voir. Il y aura un truc ici. Montrer mes couilles, fieux, tu auras un truc. Allez, fieux, boum. Oh putain, que c'est. Merde. Ces armes sont pourries. Putain de merde, dans une arène, c'est pourri. Oh non, non, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Hein. T'as rien fait, hein, moi. Nom de Dieu, il va me tuer, saloperie, vieux. Il me colle au cul, bordel. Putain, allez, concentré. Enfin, je crois que la partie est faite, hein, là, mais bon. Putain de merde. Oh, putain, qu'il y ait des armes de brin, vieux. Ah, ça, celles-là, elles sont mieux. Hop, je sais pas, un lapin, un truc. Hop. Ok, maintenant. Allez, nique ta mère. Allez, crève, vieux. Crève, pépé. Pepperoni là, crève, hein, voilà. Ouh, c'est bon, putain. Je sais pas, tu sais, les voisins vont se demander ce qui leur arrive. Je suis en train de gueuler comme un con à 2h30 du matin. Ça le fait pas trop quand même. Mais qu'est-ce que c'est bon, quoi. Ils viennent taper à ma porte, moi je tape dans leur gueule. Non, c'est pour rire. Ah, putain, que c'est bon ça. Voilà, là c'était une belle partie, putain. On a fait un truc terrible. Ça, c'était bon, fieu. Là, on peut dire que c'était bon. Alors, je me répare. Voilà. C'est parfait. On a débloqué une bagnole en plus. Non, on n'a pas débloqué une bagnole. Eh bien, voilà, les amis. On aura fait 3 courses pour ce truc, mais vu qu'on a fait une course très courte, voilà. Bah, écoutez, j'espère encore une fois que je vous aurai fait rire, hein, et que vous avez aimé la vidéo. Donc, évidemment... Si c'est le cas, eh bien je vous invite à aimer la vidéo. Si malheureusement vous n'avez pas aimé la vidéo, eh bien je vous invite à aimer la vidéo. Et évidemment à partager la vidéo et à me suivre et faites connaître ma chaîne. Et voilà, et voilà, et voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut les amis, ciao.